Bonjour, bonjour, ici Stéphane et on se retrouve dans notre première vidéo. Une vidéo collection de jeux de console. Je vais vous présenter ma collection de Wii. 50 jeux Wii. Je vais vous présenter ma collection Wii. La Wii, hein, ça fait déjà presque 5 ans hein, je collectionne, j'ai cette console. Et je fais un petit peu une petite collection des jeux que je recherche, tout ça, et que j'ai pas encore, mais voilà, je fais avec mes moyens, tout ça, et voilà. On va commencer par une série, hein. On va commencer par une série. Je vais vous parler d'une série qui a eu que deux, hein, des jeux, un jeu édité par Sega. Je vais vous parler de Codition. The Coalition, voilà, The Coalition. Un petit jeu à FPS, hein, voilà, on joue avec la manette Wii, un peu spéciale. Et j'ai la suite là, voilà, hein, le 1 et le 2, voilà. Après, par contre ça je les ai pas fait encore, c'est les No More Heroes, j'ai le 1. Je les ai eu il n'y a pas longtemps, ça, en plus. J'ai le 1 et le 2. Voilà, une très bonne série qui devrait avoir la suite hein, sur la Switch bientôt. Voilà. Après, ça, tout le monde sait, hein, c'est les 8 sports, là. J'ai le 8 sports resort, le 8 sports normal, voilà. Et le 8 parties. Après j'ai les Lego Batman, j'ai que ça comme jeu Lego pour l'instant, puis les jeux là sont pas simples à trouver et puis c'est cher avec la marque Lego. Voilà, j'ai le Lego Batman 1, le jeu vidéo et la suite là. Par contre, le 3 il est sorti sur la Wii U, hein, je crois, si je raconte des conneries. Excusez-moi. Après, encore une série, j'ai les Red Steel. J'ai le 1. Le 1 là. Le 1. Et j'ai le 2. Voilà. Petit jeu FPS, hein, pareil. Après, j'ai les Mario et Sonic. J'ai le. Voilà, ça c'est le premier. Le Mario Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver. Voilà. C'est à Vancouver il y a 10 ans, en 2010. Voilà. Après, j'ai le Mario. J'ai le Pékin, là, excusez-moi. J'ai le Pékin, là. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques au Pékin, là. Voilà. Au Pékin, en 2008. Et j'ai le Mario et Sonic aux Jeux Olympiques à Londres en 2012. Voilà. Ça me fait la trilogie. Après le reste, ils sont sortis sur la Wii et la Switch, hein, je crois. J'ai un compte des conneries. Après, j'ai ma petite collection des jeux Mario. J'ai le Mario Kart Wii. Le normal, hein. Voilà. Après le Mario, ça c'est trop cool, ça je joue beaucoup avec mes petits cousins, mes neveux. C'est le Mario Striker Charge Football, très bon jeu, ça, un petit foulard, on peut jouer à plusieurs. Je vous conseille vraiment pour jouer en famille. Voilà. Après, j'ai bien sûr hein, une super saga. J'ai les Mario Galaxy, Super Mario Galaxy, le premier. Et j'ai la suite. Super Mario Galaxy 2. Avec sa boîte spéciale là. Voilà, content de l'avoir. Après, j'ai les Mario Party. J'ai le 8, Mario Party 8. Et le Mario Party 9. Le 10, hein, il sortait sur la Wii, hein, le 10,
Voilà. Et j'ai le New Super Mario Bros. Wii. Voilà. Un petit peu un remaster hein, du premier Mario. Un peu. Voilà. Très bien, très bon petit jeu. J'ai le Zelda de la vie, hein, le Zelda Skyward. Voilà. Bien sûr, je le dis avec sa édition or machin avec le CD brillant là. Après c'est des jeux simples là. Il n'y a pas trop de séries. Ah oui, hein, pardon, excusez-moi, j'ai la série Sonic là. J'ai raconté des conneries. J'ai Sonic et le Chevalier Noir. Voilà. Sonic Colors. Et Sonic et the Soccer Rain. Du bon petit jeu d'aventure hein, sur Sonic. En plus, c'est des jeux exclus de cette console spéciale pour cette console quoi. Après je l'ai Metroid Prime après 3. J'ai le 1, le 2 sur la GameCube et là j'ai la suite le 3. Et là Metroid Other M. Ça je l'ai pas testé encore, ça me paraît, je l'ai eu il y a pas très longtemps celui-là. Après je sais pas si c'est un jeu quoi de quoi après je sais pas voilà, mais j'ai celui-là comme ça me fait la série. Excusez-moi. Après j'ai le petit Naruto Clash of Ninja Révolution. J'ai le tout premier, il manque le 1 et le 3. Enfin, je trouve plus tard. Et c'est là que les jeux qui a pas de série là. Normalement j'ai pas de série. Voilà. Là j'ai le Redguard. Redguard, voilà. Un petit jeu d'aventure pas trop mal. Voilà. Après j'ai le Zack et Wiki. Zack et Wiki. Voilà. Petit jeu encore de Capcom. Petit jeu sympathique. Après c'est un petit jeu de course, le Ferrari Challenge. C'était le jour où je vais tester le volant. Après voilà, c'est pas terrible hein. Mais je le garde quand même pour le revendre pour un centime. C'est un magasin, c'est ça a rien. Je le garde quand même. Alors c'est le Auto Hill 13 Attack. Un petit jeu de pareil pour tester le volant. Après c'est pareil pour tester le volant. J'ai le petit bon, c'est pas des jeux terribles hein, c'est le karting là, voilà. Petit jeu pas terrible mais moi je le garde quand même. Ma collection c'est les petits jeux voilà, ça vaut pas 50 millions voilà. Pareil j'ai aussi celui-là. Pourquoi j'ai celui-là je sais pas mais je le garde quand même. Ajouter HQ, le dernier maître de l'air, voilà, un petit jeu inspiré d'un film, hein, ça je pense, ou d'une série, je sais pas. Je le garde quand même pour le. Moi, ça, je les ai eu quand même, les jeux là, en dos, tout ça, voilà. Ah oui, j'avais oublié de mettre ça. J'ai le Super Smash Bros. Brawl. Celui-là, j'ai fait ça en long play, si vous voulez voir mon long play. À vous de voir, mais c'est un très bon jeu ça. J'ai bien aimé le mode histoire. Très bien, très bien, très bien. Après, ça, j'ai un jeu Soul Calibur Legend. Ça, c'est un jeu d'aventure quoi. Vous avez les deux là, vous prenez ou la fille ou le gars, et c'est un jeu d'aventure. J'étais vraiment étonné j'ai vu ça sur internet tout ça et je l'ai pris. Et je l'ai pris ce petit jeu Soul Calibur. Après ça c'est pareil, ça c'est un Dragon Quest Sword, mais c'est un jeu de combat. Un jeu de combat ça, ou un jeu d'un, je sais pas, j'ai raconté des conneries encore, excusez-moi, mais j'ai pas testé. Voilà, c'est un petit jeu de combat, je crois, mode
machin, ou un mode à tout, je sais pas. Mais j'ai pris quand même pour voir comment que c'est. Voilà. Puis les Dragon Quest, hein, je crois que c'est mon deuxième jeu Dragon Quest. Après le petit Caroline, pareil, pour voir, pour tester. Pareil, ça j'ai eu en lot. Et là, je suis très content de l'avoir celui-là. C'est le Okami. Petit Okami. J'ai pris la version. Oui, parce que j'ai pris la version la moins chère, quoi. Et voilà, quoi. Après, le petit Disney Epic Mickey. Avec le petit Mickey, il faudra que je me trouve le 2. Après, le Lost Blue. Oh, le nom anglais. Voilà. C'est bientôt fini, hein. Après le petit Animal Crossing Lost Go Theme The City. Voilà. Un petit Animal Crossing. Pas trop mal, celui-là. Après Punch-Out. Un petit Punch-Out. C'est un peu un remake, hein, du premier sorti sur la NES. Après, celui-là est excellent, ce petit jeu-là. J'avais joué avec mes frères, tout ça, il dit incroyable. Très bon petit jeu d'aventure. On incarne un serpent ou une tarentule. C'est le Dead Creature. Très bon. Puis c'est un jeu exclu de la Wii. Très bon petit jeu, ça, je vous le conseille vraiment. Étonné, étonné. Après, un petit Dragon Ball Revenge of Kipolo. Après, pareil, ça je crois que c'est un petit jeu d'aventure, un petit. Ah non, c'est un jeu de combat, excusez-moi. Voilà, un petit Dragon Ball. Voilà, avec Son Goku petit. Un petit jeu d'horreur, ça fait du plaisir. C'est Cross Mountain. Je sais pas comment il est celui-là, mais ça a l'air pas mal. Voilà. Après, j'ai le Matt World aussi. Matt World, un petit jeu de. Un peu à la God of War, hein. Burin, tout ça, voilà. Pas trop mal. Et mes trois plus gros jeux que j'ai sur la Wii, mes amis, hein, trois jeux de l'univers RPG, tout ça. Voilà. J'ai bien sûr le Last Story, exceptionnel jeu, mes amis. Des musiques de dingue. Xenomel Chronicle, mes amis, le tout premier. Et pour moi, le plus beau jeu de la vie, pour moi, le meilleur, musique de dingue, tout ça, c'est le Palo Tower. Exceptionnel jeu celui-là. Si vous avez pas fait, exceptionnelle musique, tout ça. Et voilà, mes amis. C'est fini ma petite collection de 8, 50 jeux de 8. Encore, excusez-moi pour les passionnés de jeux vidéo. Tout ça, j'achète pas beaucoup en ce moment avec les magasins fermés. Avec tous les malheurs en ce moment. Avec, je sors du boulot, tout ça. J'ai pas de temps à aller chercher les trucs au magasin, dans les magasins, tout ça. En ce moment, c'est galère pour acheter des jeux vidéo et puis j'aime pas trop aller dans les sites, tout ça. J'ai pas trop confiance pour les jeux vidéo, tout ça. C'est pour ça que j'achète. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté un jeu vidéo. Et puis mes achats mensuels, tout ça fera attendre. J'ai encore mon magasin fétiche qui. Je peux y aller, mais je sais pas, j'ai pas trop la tête à acheter des jeux vidéo en ce moment. Mais encore, excusez-moi. Mais je vous ai promis de faire ma petite collection de 8, 50 jeux et je vous ai fait, voilà. Allez, mes amis, moi, je vais vous quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis ciao, bye bye. Et plus tard, je ferai aussi ma petite collection de Room Tour avant mon déménagement. Je vous ai promis le coup là, mais j'ai pas fait, je ferai ça avant de partir, tout ça, voilà. Voilà, vous inquiétez pas, hein, je suis là, je sais, hein, je fais pas trop de vidéos, avis, films, tout ça, mais en ce moment, voilà, j'ai repris le boulot, vous savez tous.
Et j'ai pas trop le moral de faire les mets à vie film, tout ça, les collections, voilà. Mais ça va reprendre, vous inquiétez pas, puis avec le déménagement, tout ça, je fais un peu le travail là-bas aussi, et j'ai pas trop de temps de faire les trucs, tout ça, mais vous inquiétez pas, je vais revenir en forme, tout ça, et voilà. Bon allez mes amis, moi je vais vous laisser, j'espère que cette petite vidéo de collection de 8 vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine, bye bye, et au revoir.